Good morning, allez, Iden, les sujets aujourd'hui, les Lonishmat, François Fagi, Ben Hana, Janine Ruth, Bat Fortuna, Mazal Fritna, et Claude Shlomo, Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi les lignes prochaines, au sud de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étions Maseret Kiddushin, Perek Gimel, Mishnah Bet. Ha Omer le Isha, Areat Mekudeshet Li, Almena Chet Enlach, Mataim Zuz, Arezo Mekudeshet Vehuiten, Almena Chet Enlach, Mikan Vehad Shoshim Yom. Natan la betor shloshim mekudeshet, veim la ben mekudeshet. Al menat sheyesh li mataim zuz, arezo mekudeshet, veyesh lo. Al menat sheyarech mataim zuz, arezo mekudeshet, veyarela. Veim era al ashulchan ena mekudeshet. Nouvelle Mishnah qui va parler des conditions, comment fonctionne concrètement un des kiddushin, ou tout acte d'acquisition, lorsqu'on fait une action depuis tout de suite, avec une condition à remplir. Et donc, à Omer le Isha, celui qui dit à une femme, Arat mekudeshet li, tu es ma femme, tu deviens ma femme. Ainsi, une pièce, une prouta, une bague, Almenat she'etenach matayim zuz, mais à condition que je te donne 200 zuz. Elle lui pose la condition, que si tu ne m'amènes pas des 200 zuz, t'es permis, donc tu es marié depuis tout de suite, Almenat she'etenach matayim zuz, à condition que je te donne 200 zuz. Eh bien, à raison de Kodeshet Veuiten, cette femme, elle est mariée depuis tout de suite, c'est une femme mariée à part entière. Et il donnera, il remplira sa condition plus tard, parce que l'action, elle est réalisée depuis tout de suite, avec condition que tu fasses ça ensuite, que tu fasses telle action plus tard. Lorsqu'il fera l'action, mais ça verra que depuis tout de suite, elle est mariée. Donc elle est mariée depuis tout de suite, elle, une Bat Kohen, elle pourra manger de la Tourma, et d'accord. S'il y a un écart avec quelqu'un d'autre, elle sera passible de mort. Elle reçoit les 212 ensuite. Almena, par contre, s'il a dit, Almena chetenach mikan ve'ad shoshim yom, à condition que je ne donne plus. De maintenant jusqu'à 30 jours, il limite son acte. Alors là, la Michal va me dire, attention, même principe. Ta condition, c'est pendant les 30 jours, bien, natan la betor shoshim yom, le coup de chèque. S'il lui a donné pendant les 30 jours, elle sera mariée. Ve'im lav, et s'il a traîné, il est arrivé le 31e jour, eh bien, elle ne sera pas mariée. Ok? Très simple. Almenat sheshli mataim zuz, a raison de kodeshet veyeshlo. Si maintenant elle veut se marier avec lui, mais elle a peur, t'as pas un rond en poche, comment je vais me marier avec toi? Il lui dit non, je te marie à condition que je possède 212. Eh bien, la Mishnah me dit de nouveau, a raison de kodeshet veyeshlo. Cette femme, elle est mariée, et à condition bien sûr qu'elle est. C'est-à-dire s'il y a des témoins qu'il possède 212. S'il n'y a pas de témoins, on aura un doute. Parce que même quelqu'un qui a l'air très pauvre, figurez-vous qu'on ne sait pas, est-ce qu'il cache pas de l'argent quelque part chez lui à la maison, peut-être qu'il le possède, et qu'on ne le sait pas, donc elle sera mariée dans le doute, par contre. Almenat she'arech mataim zuz, alors là, attention, il lui dit, tu sais quoi, tu as un doute, est-ce que je suis vieux ou pas? Je vais te montrer 200 zuz. Donc, à cause de que je vais te montrer 200 zuz. Là, la Mishnah me dit comme ça, la femme, elle est mariée, un réseau m'écoute, chef, la femme, elle est mariée, veillard, et là, il sera obligé de lui montrer. C'est-à-dire que s'il lui montre. Il ne lui montre pas qu'il a les 212, elle ne sera pas mariée. À la différence du cas précédent où on craignait que peut-être qu'il a, là la femme n'a pas posé la question de ce que tu as. La femme a posé la question que tu me montres, donc tu dois me montrer. Maintenant, ce qu'il a fait lui, c'est que Veim Era, la Shulchan, il a montré qu'il en avait sur la table, précisément sur son comptoir, parce que c'est quelqu'un qui change de l'argent ou qui fait du business. Eh bien, la femme, la Mishnah me dit, Enam Mekudeshet chef. Elle ne sera pas mariée. Là, je précise de quoi on parle exactement. Comme ça a porté un peu dans la Gemara, vous avez ici un Rabbi Kiveger qui explique ça très bien avec l'autosot Yom Tov. Je vous fais une petite synthèse sur le principe. Là, cette fois-ci, la femme a peur de se marier avec moi parce que peut-être que je suis pauvre. Alors, je vais te montrer que j'ai 212. Une fois qu'elle est mariée, je lui montre 212. Bien sûr, si je lui montre que j'ai 212 qui appartiennent aux voisins, ça, c'était une évidence qu'elle n'est pas mariée. D'accord? La condition, elle était que tu as, que tu possèdes et que tu me les montres. Pas que tu me montres qu'il y a 212 dans un compte en banque de quelqu'un d'autre. Donc il fallait que je lui montre que j'ai 212. Mais là, le chidouche de la Mishnah vient de m'apprendre quelque chose de plus fort. Que je possède concrètement 212 en main pour aller les utiliser. Mais cet argent que j'ai en main, c'est pas vraiment le mien. C'est de l'argent qu'un investisseur a mis dans mes mains pour que j'investisse. Et même mieux que ça, comme il dirait avec Weiger. J'ai déjà investi l'argent, j'ai déjà commencé à gagner de l'argent. Et j'ai concrètement les 212. Mais le problème, c'est que ces 212, ils ne sont pas encore utilisables.
Parce qu'on va en fait entrer dans le principe de la ISKA. Lorsqu'on fait un accord de business, comment dire, de transaction avec quelqu'un, c'est fréquent dans les banques, quand on fait le ETR, ISKA, c'est fondé sur ça, c'est que Réhouven, il a de l'argent, il me donne 1000 shekels pour que j'aille pendant un an, que je prenne cet argent, que je l'investisse, que j'achète des marchandises, je les revends, je les rachète avec tout l'argent que je vais gagner. Le capital de 1000 shekels, au bout de 3 mois, il va devenir 3000 shekels, et 3000 shekels, je vais devoir les réinvestir pour acheter encore une chose, ça va peut-être devenir 10 000 shekels, mais aussi, ça va peut-être devenir 10 000, ça va peut-être aussi retomber à 200 shekels aussi. Ça dépend, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas les affaires. Maintenant, ce qui se passe, c'est que là, on parle donc que j'ai reçu de l'argent en ISKA pour que j'utilise, mais pendant un an. Pendant un an, je n'ai pas le droit jamais de prendre une part pour moi. Tout l'argent que je reçois, je dois le réinvestir, et ainsi de suite, pour le. Donc il n'est jamais exploitable cet argent. Ce n'est pas encore sûr que je le possède concrètement. Peut-être que finalement, tout va s'effondrer. Peut-être que je vais en gagner 10 fois plus aussi, et 20 fois plus. Mais pour le moment, je ne possède pas encore les 212. Même si j'ai concrètement 212 en main pour les utiliser, et qu'il est fort probable que je vais pouvoir, que finalement, il va me rester une belle part pour moi. Mais ça ne s'appelle pas que je possède. C'est ça le Kiddush de la Mishnah. Bimera la Shulchan, il a montré qu'il les a sur la table, qu'ils sont là pour qu'ils les utilisent. Et même mieux que ça, il a déjà concrètement commencé à faire des gains. Malgré tout, ce n'est pas encore exploitable. À la différence du cas où j'ai emprunté de l'argent, figurez-vous que je te montre que j'ai 212. Mais je te montre que j'ai 212, mais concrètement, cet argent de 212 que j'ai, c'est Romain qui me les a prêtés, mais pour en faire ce que je veux, je peux les utiliser. Et j'ai à part ça une dette. Dans ce cas-là, figurez-vous que la femme, elle est mariée, il y a un Rambam qui pose problème, mais le Rebbe Eiger prouve que c'est réfuté, peut-être, et que dans ce cas-là, ça s'appelle que j'ai 212 concrètement qui sont exploitables. D'accord? Même si je les ai empruntés, moi j'ai une dette à part entière, à part ça. Mais concrètement, j'ai 212 pour l'utiliser. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.